baguette comme ça, avec une petite fente pour passer le fil. Un seul trou pour les vis, ça me permet de l'orienter comme ça. 30 par 30 mm, je vais le visser comme ça. Ça, je vais le coller dans l'avion. J'ai un petit capot plat tout simple pour boucher ce trou-là. Je vais me débarrasser des prises d'aile. Entre 2,5 et 3 mm. Donc, quand l'aile est bien engagée sur le fuselage, ça va. Ça, elles tiennent bien, elles sont costauds. Mais je trouve que là, il n'y a pas assez de course. Là, il y a un peu moins de 3 mm. Donc, dès que l'aile s'écarte un petit peu, si on prend un choc, eh ben, on risque de perdre le cerveau. Alors, c'est pas quelque chose qui arrive souvent. Soit ça arrive à l'atterrissage, donc si l'aile se détache, c'est pas bien grave. Et comme je veux en faire un avion qui ait une résistance un peu, qui soit vraiment tout en tout terrain, je veux vraiment maximiser la résistance. Si jamais, quand on vole en poursuite, ça tape l'autre avion, il faut aussi envisager l'attaque d'un oiseau, des rapaces. Je vais souder, je ferai comme ça, et ça, je vais le souder que sur le contreur de voile. Ça va gagner un petit peu de poids quand même, parce que je vais remplacer les deux prises qui font 9 grammes les deux déjà, plus ça, ça fait 19 grammes. Et à la place, je vais mettre juste les deux femelles, donc là, ce qui font à peine 5, donc j'ai gagné 14 grammes. Donc c'est toujours ça le prix, surtout que c'est en arrière du centre de gravité étant là, c'est un petit peu en arrière, donc c'est... Par contre, maintenant que j'ai une caméra qui fait une vingtaine de grammes au lieu de 70 ou 100 ou 110, et des 18650, il me fallait deux rondelles en acier de 50 grammes. Elles sont lourdes, hein, celles-ci sont épaisses. Je les mets comme ça là. Donc là, on a à peu près 640 grammes d'avion, 400 grammes de batterie, 12 18650. 12 fois 47 grammes à peu près. Revol de test après ces modifications. Donc pour la dernière fois, j'ai enlevé les prises d'ailes. Les ailes maintenant tiennent avec les vis, petite bande de scotch. J'ai mis la caméra, la Runcam Speed 2, une vieille caméra qu'on a déjà vue mais qui marche, avec un 4S2P Lyon. L'hélice, je garde une 8 par 4.5 pouces. Elles sont en plastique un peu souple, donc pour les très grandes vitesses, c'est pas l'idéal. Mais pour les vols de test comme ça, ça évite de casser. J'en ai des plus rigides en carbone, mais là,